Le Beit HaMidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevsner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier notre troisième cours sur la Haftara de Shabbat Rosh Chodesh. Notre étude se situe au livre de Ishaïa, Perek Samer Vav, 66e chapitre, Passouk Tet Vav, verset 15. Après avoir vu dans les psoukim précédents, dans les versets précédents, la Nechama, la consolation, le Navi maintenant va s'intéresser au sort des nations du monde. Alors ce texte que nous allons étudier maintenant est un texte assez violent, entre guillemets, va désigner des punitions, et selon la majorité des commentateurs, parle d'une époque où HaKadosh Baruch Hu va punir les nations pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'elles ont fait pendant toutes les années de Galout, par la guerre de Gog ou Magog. Et voilà ce que le Navi nous dit. Qui iné Hachem, car voici Hachem, Ba'esh Yavo, il va venir par le feu. Vechasufa, et comme une tempête, Markevotav vont venir ses chars. Les chars, ici, désignent, entre guillemets, les armées d'anges ou d'autres créatures qu'Akadosh Baruch Hu va désigner pour cette mission, qui vont venir faire la guerre aux ennemis. Les Hashiv Bechema Apo, alors textuellement, ça veut dire pour calmer la colère qui se trouve dans ses narines. Vega'arato et sa remontrance, Belahavehesh, par des flammes de feu. Donc ici, clairement et nettement, on nous parle d'un passouk, d'un verset de punition. C'est intéressant de souligner ce que le Radak dit, les Hashiv Bechema Apo. Les Hashiv, donc comme on a dit, c'est pour calmer, mais aussi c'est pour remettre. Alors le Radak dit, c'est quelque part pour prendre la colère qui était sur les Bnei Israël et pour la mettre sur les nations du monde. Et le passouk, de bien préciser de quelle manière se fera cette guerre et cette destruction, passouk Tet Zayin, verset 16, qui va esh Hashem Nishpat, car Hashem juge par le feu, ou vecharbo, et par son épée, et kol basar, il juge et punit toute chair, verabu chalele Hashem, et seront nombreux ceux qui vont être jugés et qui vont tomber par Hachem, c'est-à-dire que HaKadosh Baruch Hu, il va prendre chacun qui le mérite et lui donner sa punition. Alors de quel feu parle-t-on ici? Selon Rashi, le feu que l'on parle, c'est le feu du Gehinnom, qui va esh shel Gehinnom Hachem Nishpatim Tsarav. Donc c'est le feu du Gehinnom, de ce qui est traduit en français l'enfer. Selon le Radak, c'est la névoie de Yéhézkel qui va s'accomplir. C'est marqué que à cette époque-là de la guerre de Gog et Magog, Esh ve Gofrit amtir ala ve ala gafav, que HaKadosh Baruch Hu va faire tomber une pluie de feu et de soufre depuis le ciel sur la terre et ceux qui le méritent. Maintenant, dans le passouk suivant, on ne sait pas de qui le Navi parle. Est-ce qu'il parle de ceux des Bnei Israël qui ont désobéi, qui ont été vers la Vodazara, ou bien ça désigne encore une fois les nations du monde? Et voilà ce que le passouk Yud-Zayin nous dit. La colère d'Akadosh Baruch Hu va venir sur qui? Sur Amit Kadeshim ve Amit Ha'arim, ceux qui se sanctifient, qui se purifient. Pourquoi? Pour aller vers un endroit où se trouvait la Vodazara à l'époque, El Haganot. C'était des jardins où, dans ces jardins-là, il y avait des grands bassins et les gens se purifiaient pour la Avodazara. Et c'était tellement fréquenté que eux, c'était que un après l'autre, ils allaient dans ces jardins-là pour servir la Avodazara. Achar, achat. L'un après l'autre, batavech à la suite. Ça veut dire qu'il y avait la queue pour servir la Avodazara. Ces gens-là, ochle vesar achazir, c'est eux qui mangent la chair du porc, vehasheketz, et tous les animaux qui sont abominables, veharbar, et le reptile, yardav, yasufu, neum hachem. Ensemble, ils vont périr, ainsi a parlé à Kadosh. Alors,
faut imaginer des grands jardins dans lesquels se trouvent des grands bassins. Au centre se trouve Bataver, au centre se trouve l'Avodazara, et il y avait toute une queue pour pouvoir servir l'Avodazara. Alors HaKadosh Baruch Hu dit, eux, je vais les faire disparaître. Alors, de qui parle-t-on? Est-ce que l'on parle des Bnei Israël ou on parle des nations du monde? Les commentateurs ne sont pas clairs là-dessus, et ça reste un petit peu quand même du flou. Alors on va essayer de juger les Kavzechot, on va juger bien. Ici on parle des idolâtres des autres nations. Mais c'est quand même intéressant de voir que lorsqu'on parle d'Abodazara, HaKadosh Baruch Hu rappelle aussi le porc et surtout tout ce qui est reptile et tout ce qui est insecte. Il faudrait comprendre pourquoi HaKadosh Baruch Hu ici compare celui qui fait l'Avodazara à celui qui mange des insectes. Il y a un midrash sur Tehilim qui dit que Rabbi Nehoraï, il a posé une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé tellement d'insectes et tellement de reptiles? Là-bas, Eliyahu HaNavi lui répond et il lui dit la chose suivante. Lorsque les créatures de Dieu fautent, alors Kadosh Baruch Hu regarde tous les reptiles, il regarde tous les insectes et il dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir créé, qu'est-ce que j'ai eu besoin, pardon, d'avoir créé tellement de sortes de petites choses qui a priori ne servent à rien. Regardez, je sais pas, le nombre de petites bêtes qui sont autour de nous, surtout dans les périodes estivales. On se demande des fois, mais à quoi chacune sert? Et il dit, c'est pas toujours que je trouve un tsorer baim, c'est pas toujours que je trouve une utilisation, une utilité à leur existence. Alors, à la hâte, Kama avec Kama, plus forte raison, pour des êtres humains qui, eux, sont des êtres qui ont une utilité réelle dans ce monde, et personne ne se doute que chaque être humain sur Terre a quelque chose à apporter, alors, à la hâte, Kama avec Kama, plus forte raison, que je peux les laisser exister. Donc, quelque part, dans ce passouk, même si c'est un passouk qui est un passouk dur, puisqu'il accuse ceux qui font l'Avodazara, il y a toujours l'espoir que les choses vont s'arranger et qu'Akadosh Baruch Hu va au final pardonner. Passouk Yutret, Ve'anochi, et moi, dit Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je peux faire si ma'asem, leurs actions, ou marchevotehem et leurs pensées, bah, viennent à moi? Kadosh Baruch Hu dit, moi, je suis au fait de tout ce qu'ils pensent et de tout ce qu'ils font. Et donc, le fait que je sois conscient, entre guillemets, de ce qu'ils font, m'oblige à faire en sorte qu'ils soient punis pour leurs actions. Comment ils vont être punis pour leurs actions? En les mettant dans une situation où ils vont venir pour faire la guerre, et moi, je vais les punir à ce moment-là. Les Kabetz et kol agoim v'alishonot. Rassembler toutes les nations et toutes les langues, ça veut dire toutes les peuplades qui parlent de différentes dialectes, ils vont tous se réunir avec Gog et Magog, monter sur Yerushalayim pour faire le siège et détruire Yerushalayim, et moi, à ce moment-là, hein, je vais me débarrasser d'eux. C'est marqué concernant la période de Gog ou Magog dans Zecharia, Hamak Bessaro, Ve'u Omed al Ragla, Ve'enav. Il va être dans une situation où ils vont être asséchés de leurs membres, asséchés de leur langue. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va les combattre. Et à ce moment-là, Uva'u, Vera'u, Et Kevodi, là, ils vont véritablement voir mon honneur. On se rappelle que précédemment, les nations du monde, et dans une deuxième lecture, les riches Israël, ceux d'Israël qui ne respectaient pas la Torah aux Mitzvot, disaient que tout ce qu'ils font, c'est pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dit, je vais les amener dans une situation où réellement ils vont voir quel est mon honneur. Et à ce moment-là, ce sera la fin des temps, puisque tout le monde sera là pour reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Vesamti, pasuk yutet, vesamti, va'em ot, je vais leur mettre un signe. Veshilachti mehem, pelitim el agoim, tarshish. Et Akadosh Baruch Hu va envoyer des pelitim, des rescapés, vers Tarshish,
Poul, Loud, Moshré, Keshet, ce sont des peuples qui avaient l'habitude d'utiliser l'arc. Tuval et Yavan, Aïm Arechokim, vers Tuval et Yavan, c'était des endroits, des îles très éloignées, Asher Loshamehu et Chimi, qui n'ont jamais entendu mon enseignement. Velo Raou et Kevodi n'ont pas vu mon honneur. Et eux, ils iront raconter ce qui s'est passé à Yerushalayim. Vehigidou et Kevodi Bagoim, et ils feront savoir mon honneur parmi toutes les nations. Donc il y aura des rescapés. Ces rescapés, eux, vont connaître eux aussi l'exil pour aller raconter la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, il y a un mouvement inverse. C'est-à-dire que les Bnei Israël vont revenir à Yerushalayim, en Eretz Israël, et les rescapés des guerres de Gog et Magog vont partir dans le monde pour propager et pour raconter la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et la grandeur de ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait à son peuple. Voilà pour la partie punition des nations du monde. Dans notre prochain cours, on verra la réaction des nations, mais cette fois-ci positive, où les nations vont décider d'essayer de s'attacher à Kadosh Baruch Hu par le fait qu'ils viendront amener des sacrifices au Beit HaMikdash. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve, Be'ezrat Hashem, pour un prochain cours et terminer cet haftarah. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve, Be'ezrat Hashem, demain pour la suite de l'étude de notre haftarah.